Bon bah salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je trouve qu'on est pas mal productif hein, sur mon niveau vlog. La petite journée un peu tranquille aujourd'hui, enfin on n'a pas trop chargé le travail. Du coup on s'est dit tiens les petites après-midi street photo. Ça fait un moment qu'on en parle qu'on voulait faire ça. Là on est un peu en mode urbex, on s'est un peu introduit sur un chantier. Chantier presque terminé et tout. Et voilà l'idée c'est d'aller faire de la photo un peu architecture dans Rennes etc. Et voilà du coup on va vous accompagner. Non, je vais faire avec nous. Tiens, tiens-moi ça, s'il te plaît. Ok. Ouais. Tu tiens bien? Oui, oui, tiens je comme tiens. Ça. Ok. Avec ta main là, regarde. Comme ça. Ok. Ouais. Ok, donc on va faire un parcours de Yamakasi. Attention, ça tord hier. Alors, je vais descendre, je sais pas comment je vais remonter. Je vais t'aider, t'inquiète. Tiens. C'est incroyablement stylé par contre. Je sais pas ce qu'ils ont prévu de faire là. C'est quoi? C'est un parking ici? Ouais. Ça peut faire une photo stylée juste là. Bon ouais, c'est c'est encore en construction. On a attendu la pause du midi et on est rentré en scred un peu. Il n'y a personne donc ça va mais... T'as l'air con comme ça. On peut voir que Pierre se donne corps et âme dans son métier. Bon, ouf. Ouais, ça va rendre super joli, en plus il y a des super belles lumières. Et qu'il y a de nous comment on remonte. Allez, on échange maintenant. Je me suis mis au cranti. Bang bang, ok. Ok. Ok, le mec est chaud. Wow, t'es chaud mec. Allez, c'est parti. Tu sais, genre, tu passes comme ça, genre, tu fais là, tu fais. Comment tu fais? Ouais, non, sinon c'est... On va prendre le temps. Ouais, regarde, avec les lumières et on tout. Avec les lumières et tout, là. Franchement, c'est stylé. Hein. Même avec... Bah, après, là, c'est fermé, mais... Quand tu auras des voitures, c'est tu cales une voiture ici. Ouais, ouais. Kylian, tu voulais nous montrer quoi? Ouais, comment on pose. Vas-y, montre. Alors, franchement, c'est pas compliqué. Tu voulais... T'avais une idée? Faut être à l'aise et tout. Je crois que t'avais une idée de pose de mannequin, toi t'as fait du mannequinat, ça se voit hein. Après tu fais comme ça, tu peux... Parti pour un shooting. Je crois qu'on est à l'avant-dernier étage, là il y a une espèce de terrasse. Je sais pas si on a accès. Tu penses qu'on a accès ou pas? Tu penses qu'on peut accéder ici? En tout cas, c'est tout neuf, c'est tout beau. On a une belle vue d'ici, d'un côté il y a l'aéroport et tout, avec Saint-Jacques, de l'autre côté il y a Rennes. Là, vous devez pas voir grand chose d'ici, mais... Oh oui, au bout il y a un accès. C'est bon, on est sur la terrasse, bon on fera la même. Bon voilà, petite terrasse, on va faire attention quand même, mais c'est sympa. Je suis pas vraiment sûr qu'on ait le droit d'être là. Bah si, il y a un portail, c'est qu'il y a un moyen d'accéder, tu vois. Il y avait un portail fermé. Bah non, il était ouvert. Ah oui, pardon, devant moi. Donc, on va essayer de trouver un petit spot pour faire un petit shooting, juste pour essayer. Alors là, je sais pas ce qui lui arrive, je pense qu'il a une petite maladie mentale, et faut pas trop en parler. En fait, il croit qu'il est stylé. Bon, on va rentrer, donc la petite technique. Pierre, voleur de père en fils. Hop. Allez hop, ça part. Bon bah voilà, on est au dernier étage. On est au dernier étage, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment pas... En fait, on aurait... Ah mais... Oh, il y a un escalier là. On espérait... Là, au-dessus, regarde. On espérait pouvoir aller sur le toit pour faire des photos art, un beau point de vue et tout, mais je suis pas sûr qu'on puisse y accéder comme ça. On va voir. Voilà, on voit bien Rennes, mais encore, c'est pas si haut que ça. On est trop proche de la rocade en fait, du coup c'est pas... Ouais. Il y a encore plein de travaux avec les grues et tout. On va voir si... Ouais, je pense à ouais. Là, je pourrais faire une photo, ce serait mais... joli, non? Ah, tu sais, les reflets des... Regarde. Ce serait pas joli une photo, quand viens voir. Ouais, c'est un SBI, quoi. Ouais. Qui mène ah. Oh, mais non. Ah non. En fait, il faut monter par l'échelle si on veut aller en haut. Attends, mais pourtant on a déjà un escalier au-dessus. Ouais. Ça va voir tout. Ah non, mais c'est là, genre. En fait, c'est un escalier de secours. Mais non, l'échelle, déjà c'est une échelle et en plus elle est verrouillée. Ah ouais? Bah oui, elle est verrouillée. Ah ou pas? Ah si. Ah non. Non. Ouais, mais gros, c'est chaud.
T'es chouette de prendre l'échelle, toi, là. Non, mais c'est bon, c'est verrouillé, là, non? Même pas. Bah, tu sais, comme tout est encore en construction et tout, je pense qu'il verrouille pas. En vrai, c'est un peu il y a tout qui est ouvert, et avant qui est verrouillé. Mais il faut que je prenne une échelle. Parce que sont censés être là, les mecs. Ouais. Et si tout est verrouillé et tout. Regarde, ce serait pas trop beau avec les reflets ici? Si. Trouve, vas-y. Vas-y, go shooting. Vas-y. Moi, c'est parti, petit shooting photo. En vrai, c'est pas mal. Avec, comme... avec l'ombre des. Ouais, comme il fait beau, en fait, ça peut être super joli. Alors, ça donne quoi? Normal. Un beau jeu de lumière. Ah, j'avoue, c'est stylé en vrai. Un peu retouché avec des belles couleurs, ça peut être trop beau. Ouais. Faut voir. Et ça peut pas rendre des photos stylées, tu sais, d'être là-haut, tu sais, au niveau du trou que t'as pris vers le bas. Enfin, du bas vers le haut. Du haut vers le bas. Ouais, du haut vers le bas, ça peut être stylé aussi. Ça, c'est enregistré dans la caméra, ce sera pas coupé au montage. Bah, vite fait quand même. On va essayer de grimper au-dessus parce que ça peut être quand même vraiment stylé. Donc, Kiki en premier. Il faut que je fasse à la courte échelle. Non, je pense pas. Je pense que tu peux y arriver comme ça avec tes bras. Attends, tiens. Mais t'y arriveras pas, mec. Bah ouais, je pense, hein. J'arrive pas de porter et tout, ce sera trop chaud. T'as un peu un petit plan au moins en haut. Vas-y. Mais attends, y'a trop moyen de faire un photo d'ici ou ça? Honnêtement, je me suis éclaté le genou. Kylian? Ouais. Oh, sa mère. Tu sais que je me suis éclaté le genou, mec. On descend. Hein? Tu me fais la courte échelle, je monte en premier et toi après tu montes. Non, mais même avec la courte échelle, ce sera trop chaud, mec. Je fais un plan au cas où si on n'arrive pas. Moi c'est stylé, hein. Là ça fait un petit plan un peu plus large quand même. Ah, je me suis défoncé le genou. Mais ça va le coup. Ah, mais on peut monter là en fait. On va aller se balader tant qu'on y est. Hein. Alors Kiki, tu descends? Et pourquoi faire? Bien là. Et après il y a moyen de faire une photo, bouge pas. Mais si! Attends, bouge pas! En vrai, tu lâches, hein, tu sautes, hein. Ouais, mais je t'ai dit, je me suis vraiment fait de jeu. Ah ouais. Impeccable. Le sage. Et on y retourne. Bon allez, c'est parti, à ton tour. Vas-y. On est trop teubés si c'était ça. Ah oui, c'était filmé en plus. Bon, là c'est un petit peu un fail, on va essayer une autre technique. Ah non, c'est pas là, ça c'est sûr que c'est pas là. Ah ouais, c'est... Bah pire, on monte par là-bas. Hein. Ouais, pire, mais bien, on prend les affaires. Ouais. Alors, deuxième essai. Tu mets à l'envers. Pas grave. Deuxième essai, on va essayer, mais avec une échelle. L'échelle qu'on a vue tout à l'heure, en fait, elle est pas verrouillée, donc on peut prendre l'échelle, la poser là, et voilà. Hein. Je pense que ça devrait le faire. Mieux que. Ce sera moins discret, c'est mais. C'est fais pas trop de bruit. C'est toujours jamais. Ça, c'est les mecs qui font le turbex, mais en mode un peu confortable. Ouais, c'est les mecs qui font le turbex, mais les mecs pas trop sportifs. Je kifferais qu'on sorte là et qu'il y a un mec qui fasse. Bah, vous faites quoi? Genre, on met directement là l'échelle. Ouais, mais je sais pas si on peut marcher là-dessus. Bah, on va voir, hein. Vas-y. On va. Mais t'es allé à l'envers là, par contre. Ah bon? Non? Mais non, c'est comme ça. Bah, pourquoi il y a des crochets comme ça en haut? Parce que c'est comme ça. Tu vois les crochets? Là, tu peux après là-dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi il y a des crochets dans ce sens-là. C'est au cas où tu tombes comme ça, tu te fais bien avoir. Tu prends ça? Attends. Allez. Pourquoi? Parce qu'il faut remonter d'un cran parce qu'elle est pas assez. Elle est trop droite. Non, mais c'est bon, regarde. Voilà. Ça touche large. Ok, vas-y. Tiens. Oh, mec! Bah, t'as tapé dedans et j'ai failli la lui. Ok, bon, je crois que c'est plus facile pour Pierre de monter en échelle. Donne l'appareil sur. Non, c'est bon. Ah ouais!
Bon, on a prévu de faire un challenge TikTok juste là, là-bas, hein. Juste ici. Avec le drone, ça va être super stylé. Ouais. Oui, c'est vrai, bien vu. Bah, après ça, l'échelle, je pense qu'on va pas la relever. Quoi ? Imagine, elle tombe l'échelle, c'est-à-dire que tu serais obligé. C'est-à-dire, imagine l'échelle, elle tombe. Ah, ok, on fait ça en sautant comme on était là-bas. Putain, faut pas avoir le vertige, mon chef. Hein. Oula, pas sûr qu'on peut marcher là-dessus. Ah, mais oui, là, du coup, la petite. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ça tangue un peu là. Bon, bah, on espère qu'ils vont pas rentrer trop tôt de pause les autres. Parce qu'il est, est 13h. Pour l'instant, on est tranquille parce que justement, les gens sont peut-être partis en pause. Oh, oh. Ok. Bon, on se balade hein, tant qu'on y est. Bon, effectivement, ouais, faut pas avoir de vertige. Ouf. Il fait quoi encore? Il va tomber. Mais on peut faire une photo ici par contre. Je mets en plein milieu genre. Après si ce qui peut être éventuellement pas mal, c'est des photos en milieu de l'allée là. Genre tu sais, avec la profondeur là, c'est stylé je trouve moi. La souplesse du truc, c'est voilà, c'est pas du tout rassurant. Mais bon, j'imagine que c'est fait pour. Hein. Bon, du coup, on a changé d'endroit parce qu'on était un peu contre jour. Bon, ça fait un petit stylé hein, comme effet. Mais on va tester aussi dans l'autre sens, comme ça, on a une belle perspective là, c'est sympa. Bon, on a fini, je pense, pour ici. On va redescendre. Et puis en vrai, il y a plein d'autres photos à faire sur les différents niveaux et tout. Ça peut être pas mal. Et là, Kylian, il va descendre d'un étage, il va aller se mettre là. En plus, avec les grilles, les ombres, ça peut être vraiment sympa. Moi, je vais rester là pour le prendre en photo. Bon, ça y est, on est ressorti du parking. On va, bon, on va reprendre les motos et puis on va aller continuer, je pense. On va faire un petit tour en ville. On va peut-être se poser, manger un truc. Ouais. On a faim. Et voilà, bah tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Yo petite pause gourmande. Ouais. Nous revoilà. Et on va filmer des skaters. Prendre des photos. Enfin, prendre des photos plutôt. Voilà, franchement, il y en a, ils sont chauds de ouf. Ils sont torse nus, je sais pas pourquoi. Et d'autres pas, mais on dira pas qui. Genre lui, par exemple. Non, le cadre est vraiment stylé pour ceux qui connaissent Arène. C'est comment ça s'appelle déjà ici? Non, mais merci. Non, mais on est où là? On est à Henri Fréville. Non, pas du tout. Boulevard de. Voilà. Cité judiciaire, il y a un skatepark pour ceux qui connaissent pas, qui sont à Rennes, voilà. Bon, on a fait quelques petites photos de là-bas, mais du coup j'étais à contre-jour. Ça rend pas mal, mais lui j'attendais tout à l'heure qu'il fasse un truc. Chaud, mec. Et j'attendais tout à l'heure et juste dès que j'arrête de prendre des photos, il me sort un truc de dingue. C'est important de bien s'hydrater quand on fait du skate. Hein. Hop. Allez, ça c'est pour la caméra. Bon voilà, on a fini au skatepark, là on est resté, je sais pas combien de temps on est resté. On est resté une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais, une demi-heure, trois quarts d'heure. On a fait une petite photo de skate, de BMX, il y avait tous les niveaux et des mecs quand même bien chauds. Et franchement, il y a des photos vraiment cool, vraiment sympa. Ça fait longtemps que je voulais venir là faire des photos, donc c'est cool. Ouais, ça rend super bien. Ça rend bien. Des couleurs encore, donc c'est cool. Des belles couleurs, belles lumières, belles couleurs. Et puis bah, le style skatepark, les tags et tout, ça rend toujours bien. On va trouver un petit spot, j'aimerais bien faire une photo des horizons, genre tu sais, depuis le bas. On peut y aller si tu peux. Ouais, on va là-bas. Faire 2-3 photos et puis après on sera bien, hein, je pense. On fera une autre sortie plus tard avec
plus coucher de soleil, golden hour, dans les rues de Rennes, ça peut être super beau, dans le vieux Rennes avec les vieux bâtiments et tout. Nous voilà arrivés à la tour des horizons. La tour de l'œil. Comme dans le Seigneur des Anneaux. Donc on va plus écouter ce que nous dit, c'est très gênant. Et voilà, on va faire quelques petites photos. On va essayer, et puis, voilà. Genre la photo qui a dû être faite par tous les photographes de Rennes différents. Ouais, sans blague, genre celle-là. Là. Du coup, voilà, mais on va la refaire en mieux. Parce que Pierre travaille qualitativement. Et ça, c'est important quand t'es photographe. Notamment pour avoir des rendus qualitatifs. De rien, mec. C'est que la photo, en vrai, la vue est quand même incroyable. Enfin, c'est bizarre un peu, mais il y a un peu un truc de martien, genre. C'est là où tu te rends compte vraiment que l'homme a... T'as toujours un mec relou qui fait ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, elle fait 100 mètres. Ouais, sans blague, c'est pas non plus... Ah, mais t'as ça fait beaucoup plus de 100 mètres, ça. Ah ouais, ça fait combien? Je sais pas, au moins 300 mètres. 300 mètres, c'est la tour Eiffel, gros. Bah, on est pas loin de la tour Eiffel. Vas-y, tu paries combien? Moi, je dis au moins 180. Attends. Tu paries combien, toi? Attends, bouge pas. Non, en vrai, tu dis combien, toi? En vrai, je dis un bon 180. 180? Ouais. Moi, je dirais 90. Celui qui est le plus loin, il fait quoi? C'est quoi le gars? Il doit l'escalader à main nue. Allez, ça passe. du coup, celui qui perd, moi, donc j'ai dit 180, toi, t'as dit 90. Ouais. Celui qui est le plus près. On est du simple au double, quand même. Il donne un gage à l'autre. Et on le mettra dans un prochain, okay, prochain vlog. Le temps qu'on trouve, et puis comme ça, on dira le gage dans le prochain vlog et qui aura ça. Ok. Vas-y, attends, je vérifie. j'ai plus de batterie, je peux pas vérifier. Ah, attends, c'est moi qui regarde. Non. N'importe quoi. 99,5 mètres. Mais n'importe quoi. Mais non, c'est 199. Mais oui, il y a un petit 1. Oui, bah. bon, mais, bah, je vais trouver un gars, vous inquiétez pas. Mais on est d'accord, je suis pas le seul à avoir l'impression que c'est genre beaucoup plus grand que 100 mètres. Mais non, mais tu te rends pas compte, genre c'est déjà énorme 100 mètres. Ouais. Pierre adore, je le filme quand il est par terre. Voilà. Alors? Mais non, mais attends, mais laisse-moi, je te filme. Bon, aujourd'hui, on a vraiment un gros problème capillaire. Ok Pierre, j'espère qu'on a entendu ça. Ça fait des super jolies photos avec la perspective et tout. En plus, on a encore un super soleil. Aujourd'hui, on a vraiment de la chance parce qu'on a eu un peu de vent, mais au final, on a eu zéro nuage et tout. Donc pour toutes les photos et tout qu'on a faites, c'était franchement top. Donc voilà, là, Pierre, il fait les petites dernières photos avec l'appareil. Là. Bon, les très chers internautes, aujourd'hui, on va faire un sondage. Est-ce que je me coupe les cheveux ou pas? Ça fait genre un an que j'ai pas coupé. Ça commence à être un peu long. Bah écoute, ouais, c'est important de montrer chaque problème de nos vies, Pierre. Regarde, toi t'as des hémorroïdes. Pas tous tes problèmes non plus. Hein. Ouais, mes problèmes ils se voient relativement facilement du coup. Puisque... Toi par exemple, tes hémorroïdes ça se voit pas trop, toi. Ça, j'imagine que tu vas le couper. Ouais, bah on a fini là, la petite photo du tour des horizons, tranquille. Donc voilà, c'est un petit nouveau petit vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Nous, c'était une petite journée un peu chillax. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez des idées de vlog, en sachant qu'on est relativement ouvert. On est relativement ouvert, on a pas mal de temps, etc. Et puis on peut être assez mobile. Pas mal de temps, ça dépend, mais... Oui, non, mais ça dépend, mais ouais. Quand on peut prendre le temps, on peut prendre le temps. Donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des idées de vlog sur différents domaines et tout. Il n'y a aucun souci. Des idées de tournage, de photos, de thèmes et tout à faire. N'hésitez pas à nous donner des idées. Et s'il y a des gens qui sont sur Rennes, en tout cas Rennes ou aux alentours, si vous avez des idées de tournage, de petits trucs que vous avez envie de faire sympa en tant que vlog qu'on pourrait suivre et tout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Et puis, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires s'il y a des trucs intéressants que vous avez envie de nous proposer. Bah, nous, on parlait tout à l'heure, par exemple, s'il y en a qui font du skate, du BMX, des choses comme ça, si vous voulez qu'on s'organise des petits shootings, des tournages. C'est ça exactement. Ça peut être motocross, ça peut être tout, ça peut être de la danse, ça peut être des trucs culturels. Franchement, faut pas hésiter. Toutes les idées. Nous, si on arrive à trouver un peu de temps, ça peut être super sympa de. Et puis même de rencontrer un peu des gens, voir des idées, tout, donc c'est cool. Ouais, Kylian, il a pas beaucoup d'amis, donc il cherche un peu des amis partout.
Ça sera pas coupé au final. Bon allez, bref, bah écoutez, à la prochaine fois. J'espère que ça une nouvelle vidéo qualitative. J'espère que ça vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner aussi à nos Insta pour suivre en direct aussi. Pour voir les résultats des photos aussi. Voir les résultats des photos et nous suivre en direct. Nous là on fait des petites stories et tout, comme des trucs qu'on a aujourd'hui, comme ça vous voyez un peu en avant-première. Et puis, on va voir le résultat. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner à nos deux Insta. Ciao.